Pardon. Oh, excusez-moi. Ah. Mais qui voilà ici? Oh. Bonjour. Bonjour. Benoît Badoz. Ah, Badoz ou Bado? Badoz. Nous sommes ici. On est où ici? En Jura. Poligny. Parfait. Poligny, oui, d'accord. Poligny. Puis là, regarde un petit peu. Voilà. Tu as 9 hectares, je crois, ici. Hein. 9 hectares, exact. Superbe. Allez, présente-toi. Qui tu es? Benoît Badoz, 34 ans. Bientôt 35. Et toutes ses dents en plus, hein? Non. Ah bon? Non, j'en ai une fausse ici. Oh, faut pas le dire ça. Cassé avec une bouteille. Ouais. Allez, raconte-nous un peu l'essentiel, le vin. Voilà, eh bien écoutez, vous êtes sur le terroir donc des Rousseaux, c'est le lieu spécifique. Donc nos 9 hectares sont uniquement sur cet endroit. Et donc on a tous les cépages jurassiens, le Chardonnay, Poulsard, Trousseau, donc Chardonnay, Samanien, Poulsard, Trousseau, Pinot Noir. Et donc sur ces parcelles, on a vraiment un sous-sol différent, puisqu'on a aussi bien la marne grise, la marne blanche, la marne bleue, la marne noire et la marne rouge. Très bien, formidable. Toute une palette de couleurs. Quelle serait la technique, enfin je dirais pas technique, j'aime pas trop ça, mais avant tout l'état d'esprit dans lequel tu travailles, tu vois, ce que tu veux retranscrire à travers tes vins? On veut forcément faire retranscrire le terroir, mais... c'est aussi une combinaison entre le terroir et le style du vigneron. Oh, il y a beaucoup d'herbes ici, hein. Moi je suis pas à l'aise. Hein. Non, je rigole. Oh. C'est un petit cadeau. Ouais, on veut aussi imposer un style par rapport à la vinification et tout combiner donc ce terroir et cette vinif. Où, comme vous disiez tout à l'heure dans les dégustations, il y a certaines fougues. Voilà, c'est aussi une image qu'on veut donner pour ne pas avoir non plus l'image trop traditionnelle et un côté un peu novateur, tout en ayant le même terroir. Et ta philosophie de travail, au-delà de ça, la culture de la vigne, comment ça fonctionne? Comment tu marches? J'avoue que je disais le bio, enfin c'est... Raconte-nous un peu tout ça. Oui, c'est bio à boire. Par contre, la différence à la dégustation. Donc nous on est en culture traditionnelle, lutte raisonnée si vous voulez. On ne va pas se revendiquer dans un secteur ou dans un autre. On a avant tout pour travailler comme les anciens travaillaient. Je sais pas si tu peux voir ici le sol. Voilà, il a été labouré, il a été bêché la semaine dernière. On peut voir ici une vigne de Pinot Noir qui est assez jeune, elle a 8 ans. Et forcément à côté vous voyez il y a de l'herbe. Oui. Voilà, de la vraie. Hein. Eh bien, d'accord, mais ça on peut pas. Parce que là pour revenir ici, c'était. Pourtant je suis grand, je suis pas aussi petit que Patrick McLar. Hein. Patrick, viens là ici. Patrick. Allez Patrick, voilà. Patrick qui va nous raconter un petit peu les vins de. Vous avez un joli numéro tous les deux. Bienvenue à tous. Allez, complète le numéro. Voilà. Bienvenue dans le Jura. Est-ce qu'on n'est pas bien là? Allez, super. Là, est-ce qu'on n'est pas bien? On est un peu vraiment à l'aide. Vérité du Jura. Le Jura est un vignoble qui pour moi est en pleine remontée. Évolution. Oui, la percée du vin jaune attire des dizaines et des dizaines de milliers de personnes. Ce n'est pas innocent. La chaleur et la sincérité des jurassiens attirent forcément les gens vers ce pays d'authenticité et de grande culture. Benoît Badoz, je vais reprendre un vieux slogan publicitaire, c'est le bon sens en action. C'est un homme qui agit pendant que d'autres font parler d'eux, se font mousser. Lui, il agit. Il a une gamme de vins traditionnels qui représente l'identité du Jura. Et puis, derrière, des vins qui ne sont plus des essais. Parce que comme au rugby, les essais, il faut les transformer. Mais lui, c'est transformé. L'arrogance d'un chardonnay magnifique, avec un élevage précis sur fût, qui, à mon avis, n'a d'arrogance que le nom. Voilà, je pense très qu'on est fougueux. Plus... Il est fougueux avant tout. On est plus, mais même dans une certaine sincérité. Je pense que ça peut aller jouer dans la cour des grands. On a un McVin. Alors là, j'ai été stupéfait. Un fruité, une complexité, puis en même temps, des parfums multidimensionnels, une expression du marc qui est plutôt fine et fraîche. Venez chez Benoît Badoz. Je pense que les mots commencent à devenir superflus. Venez découvrir et venez vous amuser parce que, en plus de ça, Benoît Badoz vous recevra avec toute sa sincérité, sa gentillesse. Et venez lui dire que franchement, le Jura, c'est bien et surtout que ses Juras sont bien. Parfait. Et on acquiesce. Bravo et merci. À très bientôt. À bientôt.